Après la mort de Gabi Geoffroy, qui est policier SPNH et qui est mort et Delma 32, et dans la nuit, il y a divers et mon non identifié qui paraît sur Delma 32, qui était plus passé et vingtaine de monde dans Delma 32, comme dit c'est un massacre et qui était fait et jour ça et il y a plus passé une vingtaine de monde et qui était mort et dans Delma 32 parmi monde ça qui était mort et il y a deux journalistes, les deux journalistes et tout le monde connaît Antoinette Ducle et Diego Charles qui a travaillé pour Vision 2000 qui était passé parmi la foule dans jour soit ça et les nègres t'a tiré nèg non identifié et bien jeudi et mercredi et bien te gon groupe monde qui était sorti et non monde ça qui était tombé et pas balle dans Delma 32 pour t'al rendre un hommage dans cadre et mouvement ça et te gen plusieurs types de monde qui était venir rendre et chagrin et monde qui était mort et dans Delma 32 et jour ça qu'on jour et qui nous pas jamais oublier parmi 20 monde ça qui était mort te gen Diego Charles et qui était mort te gen groupe et mona et dans Delma 32 nous avons un groupe mona bande mona qui était sorti et pour aller demander justice et pour mon sa yo qui tombé et en bas zak et criminel en bas zak et mon sa yo qui pas connaît et était sorti pour aller déposer et jefflet et ensuite tout yo t'a demandé depuis après la mort et chaque grand mona qui était tombé espérer la chaba même mal et bien on a su comment ça vient dans Delma 32 Je dis à présence nous-mêmes, peuple haïtien, militants, Peto Challenger, partis politiques, organisations de base, nous présents et nous là, dans le cadre du hommage, pour nous célébrer la vie, Mounsayo qui tombe, mes rêves apprêtés, rêves apprêtés. Nous là, pour nous voir un signal tout, par le monde entier, avec Moun, je dis à qui comprennent. Ils sont capables de troubler le monde qui voulait faire Jovenel Moïse passer comme un innocent. Fondi, je dis à Jovenel Moïse, retourne nous sommes faire depuis notre 32, river là devant Kainetti, devant Kain Diego, son façon pour nous montrer avec le monde que ce dernier côté dans le quartier populaire que Jovenel Moïse c'est pas les autres pour faire massacre. Nous là, pour nous dire avec le monde, ça Jovenel quitté comme œuvre. C'est massacre dans le quartier populaire. C'est corruption dans boîte l'État. C'est tirer sous peuple haïtien. C'est fédérer gang. C'est rendre pays d'Haïti invivable. Dans ce sens, nous voulons un signal par tout le monde, par tout le monde, pour dire monde qui a essayé de comparer Jovenel Moïse avec l'empereur, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, pour pas jamais faire des choses comme ça encore. Pour connaître Jovenel Moïse, son criminel littéraire, c'était un dilapidateur. C'était un bluffeur, c'était un monde qui t'a massacré. Moun. Et que la mobilisation a lancé une façon pour que les peuples haïtiens capable de prendre ce nom pour dire blanc, peuple haïtien, grand monde, Haïti son pays souverain, c'est nous qui prenons ce nom. Dans le cas de ça, nous demandons pour chaque
moun, parti politique, organisation, société civile, pour yon fond accord inclusif, pour que tout le monde s'y pour yon doter pays, de yon gouvernement consensus, de yon gouvernement entente pour tout le monde dans pour mettre le pays à sous rail. Merci, son plaisir. Jodia. Entre nous, pour nous faire à l'aise, à une négociation de trois pouces, à nos couilles là, nous demandons, pour nous marrer, restons les gains, pour nous faire parler, dans le petit roche, c'est un méga dit, ma tienne à quoi. Bonjour, Jodia, nous connaissons 28 juillet, et c'est un gros jour pour les Haïtiens que les militaires américains se débarquent dans le pays à ville. Occupez-nous et pour jusqu'où nous avons pied au secours. Nous venons là encore aujourd'hui pour nous demander justice pour tout le monde, régime PHTK, tout y est. Nous venons demander justice pour tout massacre qui a fait dans le quartier populaire. Nous disons que ce n'est pas possible, nous disons non. Nous tous sommes haïtiens, nous sommes haïtiennes, nous ne sommes pas victimes de un régime. Régime pour qui ça, régime gang ça. Nous demandons pour quitter le pays. Et puis nous demandons pour nous jouer justice. Moun Delma 32, Moun Grissoua, Moun La Saline, Moun Tokyo, Delma 2, Delma 6, Delma 4, Nomaya, Matisse, Grand Rabi, Tiboua, 300 poulets dans le pays. Je dis que tout chier ça, c'est un jour qui va comme tout le Haïtien. Nous mettons pour nous dehors, nous demandons de justice. Un sentiment de joie, parce que je dis à la célébrer la vie. Tout le monde, régime PHTK, va s'assassiner, en particulier le gouvernement Jovenel Moïse. Et c'est là aussi que ça qui fait nous là, là pour nous célébrer la vie, pour nous tout le monde qui disparaît. Pas oublier aujourd'hui, il y a marqué deux bagailles importantes dans le pays, dans l'histoire du pays d'Haïti. Premièrement, aujourd'hui, il y a fait 11 mois depuis que bandit sans foi ni loi qui a assassiné le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Dorval, à environ 500 mètres de carré ancien président Jovenel Moïse. Je dis à tout, fait 106 ans depuis que l'impérialiste américain te mette botte yo sous coupe haïtien. Et bien nous là, pour nous célébrer et commémorer gros événement ça yo, c'est là où petit ça qui fait nous là, dans Delma 32, pour nous célébrer la vie, pour nous faire un appel de mémoire pour toutes jeunes garçons et jeunes femmes dans le pays d'Haïti, pour qu'on ait que qui ça nous dépassé, qui ça occupation américaine nous a fait, nous qui mal que nous a fait. D'abord, avant que vous débarquiez, mes ruines sous sol là, au cap, et bien qui ça a fait, vous débarquez, il y a réserve nous, là, avec couronne, pour ces sous-loups qui ont gagné dans l'ancienne DRH à cette époque. Et bien nous là, pour faire appel de mémoire ça, pour préparer, pour jeunes garçons, jeunes femmes, qui pas de longtemps, depuis que vous faites, depuis que vous suivez la politique, pays. Et nous déposons Jeff le ça, nous nous mettons bougie, la mémoire, tout le monde qui mourit dans le pays, Evelyne Césaire, tout le policier qui a assassiné, tout le monde qui a assassiné, tout le monde qui a kidnappé, c'est la mémoire de Mounsa. Nous voulons dire que nous vivons parmi nous, et même pour nous, au niveau secteur démocratique, au niveau Mopol, au niveau Dimbol, au niveau Mopol, au niveau Combi, au niveau Force Canapé Vert, Alliance Peuple, toute force politique, toute organisation de base progressiste. Avec un titre pour l'exercice, nous sommes capables de justice et réparation. Nous connaissons que là, mon courage qui disparaît, quelque soit sans valide, nous ne pouvons pas remplacer. Mais au moins, si on a une justice avec réparation, parce qu'il y a pourquoi que l'État, l'administration qui va venir, c'est passé avec eux, parce que nous avons mouru, nous avons des petites, nous avons des madames. Il y a qui des frères, il y a qui des sœurs, mais c'est la raison qui fait nous là aujourd'hui, 28 juillet 2021, pour nous célébrer la vie de Mounsa et pour nous faire l'appel de mémoire avec le peuple haïtien et la jeunesse haïtienne. Prochaine étape, Christoir, nous allons jouer Diego, nous allons jouer Netty avec tout le monde qui est mouru la Christoir, jour 29-30 juin 2021. Le premier bagaille, nous capables. Premier bagaille, nous capables. Activité ça, son activité compétitive.
secteur démocratique et populaire, Popol, PAP, France Canapé Vert Réveillé, Alliance PEP, Challenger Populaire, France Delma, PEP Delma, à réaliser ensemble. Un téléphone, non. Activité ça a fait jeudi, c'est 28 juillet 2021. Ça fait 106 l'année, depuis les Américains qui viennent occuper le pays. Et depuis les ça, le pays a sous occupation. Même les autres qui allaient, ils n'ont pas allé vrai. Tout le monde là. C'est eux qui mettent le président pour nous, c'est eux qui mettent le sénateur, c'est eux qui mettent le député, c'est eux qui mettent le ministre, premier ministre. Je dis là, c'est un moment, nous-mêmes, qui fait partie du peuple là. Une force progressiste pour nous dire nous voulons batailler pour nous reprendre la souveraineté du pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous déposer un geste fleur, son geste symbolique, ici, dans la rue de Saline, dans l'espace ça même, côté dans la nuit 29 ou 30 juin 2021, le gouvernement Jovenel Moïse là, a fait massacrer une vingtaine de citoyens. Nous ne pouvons jamais oublier mon sang. Aujourd'hui, nous là pour nous dire, peuple haïtien, pour nous rappeler tout le monde, Jovenel Moïse, c'était un délinquant. Jovenel Moïse, c'était un criminel. Jovenel Moïse, c'était un assassin. C'est sous le gouvernement Jovenel Moïse qui a massacré le peuple à Saline. C'est sous le gouvernement Jovenel Moïse qui a fait massacre Delma 32. C'est sous le gouvernement Jovenel Moïse qui a fait massacre Belé, massacre Cité Soleil. Ce n'est pas jamais un héros. Il a toujours été un assassin, il a toujours été un criminel. Nous pensons de façon spéciale à toutes victimes d'Elma 32. Nous pensons avec toute population hein, et nous ne pouvons jamais oublier. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes faire activité ça. Nous avons toujours été attachés à la revendication du peuple. Dans un moment, quand il y a des gens qui ont couru pour rentrer dans le gouvernement de graine gauche, qui ont cherché avantage personnel, nous-mêmes nous là pour nous dire que la revendication du peuple, nous ne pouvons jamais oublier. Il faut que les victimes d'Elma 32 rejoignent justice. Victime massacre la Saline, Belle Cité Soleil, pour rendre justice. Faut que procès Petro-Caribe fait. Pas qu'il n'y a aucune élection qui est capable de faire dans la fin année 2021. Pour une élection, faut qu'on ait un gouvernement consensus. Pour une élection, faut qu'on ait un conseil électoral. Pour une élection, faut qu'il y ait une sécurité. Pour une élection, faut que tout le monde ait en confiance. Nous voulons jeter parole élection dans la fin année 2021. Et nous réaffirmer volonté nous. Pour nous faire bon côté peuple là, pour nous continuer côté revendication peuple là. Peuple capoumain, pas jamais perdu bataille, pas jamais perdu bataille. Toujours penser avec victimes apprêtées, dans que nous pensons à toutes victimes de la Saline, Bâtonnier d'Orval, Leroy Saint-Hilaire, Antoine Tuber, Evelyne Sincère, Thierry Charles. Nous songeons toutes y a prêté dans l'esprit nous et nous avons continué bataille pour jouer justice. Nous avons continué bataille pour nous changer la condition de la vie du peuple là dans le pays. Parce que je dis, un petit groupe de monde qui prend toute richesse pays là et tout le peuple là dans la misère, pas gagner l'école, pas gagner l'hôpital, pas gagner manger. C'est bagaille ça qui pour changer. Et c'est ça que nous faisons activité ça ensemble avec toute organisation progressiste. La bataille pour changement réel. Nous ne reconnaissons pas Ariel Henry comme premier ministre. Dans une situation exceptionnelle. Compétition. Nous ne sommes pas un accord politique, nous ne sommes pas capables d'un gouvernement. Le pays n'est pas capable de diriger sans président parce que loi dans le pays a dit fort pour un président. Ariel Henry, c'est Blanc qui mettait. Ariel Henry, c'est PHTK. Ariel Henry, c'est Moun qui était toujours à collaborer avec PHTK qui mettait. Nous-mêmes, nous ne pas reconnaître le gouvernement ça. Parce que pour un gouvernement, il faut qu'on accord politique, il faut qu'on consensus politique. C'est tout secteur qui vous mettez le gouvernement ensemble. Il n'y a aucun blanc qui a mis le gouvernement. En pile, vous avez levé qui dit c'est l'envers. Qui est le gouvernement ça va faire? Bon, nous-mêmes, nous trouvons qu'on a consensus. Consensus avec la force progressiste. Et c'est un consensus là pour nous choisir le président. Pour nous, pour qu'on ait président, pour qu'on ait premier ministre, pour qu'on ait ministre, on vit dans cette position, c'est le secteur démocratique. Je vais passer la parole à Guy Neumann.